Ok, fusion personnée là. C'est parti, fusionnons. Fusionnons, cherchons. Alors. Slime et Apsara. Ah. Alors attendez, je peux voir là. Faiblesse glace, ça m'arrange pas beaucoup, hein. Est-ce que je peux pas plutôt dire par. C'est quoi la ligne de fusion? Ouais, voilà, c'est ça. Apsara. Vas-y. Alors, je peux faire Omwakan. Ça m'intéresse pas. Je peux faire Fornus. État de la persona. Garou. Quoi? Mais non, mais je veux voir l'état de la persona qui va arriver, connasse! Mais. Bon, je peux faire Fornéus, quoi, apparemment. Alors, Oberon. Fornéus. 6. Ah, bah voilà! Une petite personne avec Buffu, là. Le problème, c'est qu'elle a pas de bonus, quoi, Fornéus. Donc, elle va être niveau 6. Mais ça fait une deuxième personne avec Buffu, quand même. Hein. Ça fait une deuxième personne avec Buffu. C'est pas rien, ça veut dire qu'on a deux chances. Et on va pouvoir bien péter la bosse. Alors après, les personnes à niveau 17, je peux pas les faire, c'est ça? Archange, ça donne quoi? Non. Niveau 12, je peux. Eligor. Agui. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas beaucoup, mais par contre, c'est intéressant de noter que c'est faiblesse à la lumière, ce truc. Oberon. Zio. Bah oui, mais non, Zio, ça m'intéresse pas. Senri. Je cherche des trucs avec Buffu de toute façon, hein. C'est pas compliqué. Hein. C'est Agui ça. On a déjà vu Agui, Agui, Agui. Garou. Poulinpa, Rakukacha. C'est quoi déjà Poulinpa? Garou, ça m'intéresse pas. Valkyrie, c'est Buffu. Buffu est pas faiblesse au feu. Hein. Faut pas oublier quand même. Hein. Ah mais Fornéus c'est... Ouais mais en même temps tu me diras Valkyrie c'est mieux que Fornéus. Par contre ça me... Ah c'est bon attends je peux balancer Ukobak. Ah non je suis obligé de balancer Izanagi quoi. Alors attendez parce que du coup faut que j'aille enregistrer... Faut que j'aille, attendez. Prévision de fusion, non c'est quoi déjà le truc? Oui voilà c'est ça. Voir compendium, il faut que j'enregistre une persona. Donc là j'enregistre Izanagi. Voilà, comme ça je peux la réinvoquer à un meilleur niveau. Et là je peux faire fusion de persona, fusionner, chercher. Je vais invoquer du coup une Valkyrie niveau 8. C'est ça hein, que je fais. Valkyrie, parce que sinon après c'est Kusit aussi. Hein. Mais qui est faible au feu Kusit, donc ça perd un peu les couilles quoi. Donc plutôt une Valkyrie finalement. Valkyrie en balançant peut-être pas Ukobak parce qu'il est résistant au feu, mais peut-être plutôt Ange et Apsara. Donc Valkyrie en envoyant ces trois là. Et c'est parti, choisis les compétences que tu transférais. Donc là, on va transférer Dia évidemment. Dissique panique, peur et rage d'un allié, oui. Et Zio peut-être ? Dans la mesure où je pourrais faire Buffu et Zio sans changer de persona. Ça m'a l'air pas mal, hein. Tu vois, avec la force, c'est au niveau minimum. Je pense qu'il devrait apparaître sous peu. Tu ne pourras pas renforcer cette persona. Est-ce que ça te convient? Oui. Voilà. Non, mais t'inquiète, tiens, on va la récupérer, Ange. Let's go, la Triforce. Let's go, la Triforce. Non, mais comme ça, avec ce perso, on peut faire Buffu et Zio, tu vois. Comme ça, on peut continuer à mettre des all-out attack et exploser le boss, quoi. Voilà, très bien, très bien. Force augmentée, chance augmentée. C'est dommage, j'aurais bien aimé magie, je pense. Donc ça, c'est très gentil, merci. Ok. Maintenant, je veux récupérer, du coup, aussi... Je veux faire voir compendium. Demander. Lire le compendium. Non, je m'en bats les couilles de ça. C'est pas ça que je veux. C'est voir le compendium. Je veux retrouver Izanagi et...
invoquer. 3400 yens d'invoquer cette persona, ça te va? J'imagine que oui. Est-ce qu'on avait récupéré Izanagi seulement? Putain, 3400 yens alors que j'en avais 8000. C'était tellement une erreur de faire ça. Non, pas quitter l'exploration, non, je veux revenir au truc là. Je veux revenir au boss Meburn. Cherchez Ukiko. Suivez-moi. Vas-y doucement. Oui, très bien. Oui. On va réessayer. Reprendre au niveau 8. Il faut que je refasse tout le niveau 8? Ah non, c'est bon. Envoyer de l'aide. Allez, on réessaye. Parti. C'est la personne de base. Mais je sais pas si c'est important ou pas. Je me souviens plus si Arsène, je l'avais laissé tomber ou pas dans Persona 5. Elle a été bien relou, cette boss, quand même. Alors, Persona, Valkyrie, compétences, Buffu. C'est bon, j'ai bien mis Zio, tout va bien. Très bien. J'ai oublié de mettre des PC sur... C'est pas grave, les PC iront sur le protagoniste. Donc là, c'est une attaque normale. Là, c'est un Buffu. On va exploiter ses faiblesses autant qu'on peut, de toute façon. Si on peut le faire deux fois par tour, on le fait deux fois par tour. C'est pas compliqué, je vous explique. Ça va aller beaucoup plus vite parce que là, ça veut dire qu'on a deux persos qui peuvent lui mettre 120 HP par tour. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux. Alors lui, il va faire objet goût d'âme parce qu'on a oublié de le faire avant. Lui, il va y aller à coup d'attaque. Elle aussi. Voilà. Et là, on va juste bien garder comme il faut, là. Time for revenge. Bah, bon. J'espère que ça va passer. Compétence Buffu, c'est parti. Ah, putain, mais quel abruti! C'est pas grave. C'est 4 PC, c'est pas comme si ça laisserait certainement me servir plus tard dans le fight. Bien sûr que si, ça me servira. Et le Hagi qui part sur le protagoniste, voilà. Donc là, ça va être compétence Buffu. Ensuite, lui, ça va être compétence Dia sur le protag. En fait, surtout, vous allez voir ce que ça va me permettre de faire Buffu Zio. Ça va être assez incroyable. Hein. Mur blanc, donc là on s'en bat un peu les couilles. Là on va se protéger. Voilà. On repart sur un Buffu. J'ai encore oublié. Tout va bien. N'hésite pas vraiment, hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même de quoi la buter, là. On arrive déjà au prince charmant, ça va aller très vite. Objet, médicament. Encore un petit Buffu. Voilà. On arrive mid PV là. Ça devrait pas trop tarder à balancer un prince charmant. Voilà.
C'est ça qu'on va pouvoir faire tous les tours. Donc je sais pas, ça va être vraiment bien, mais ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à tataner la boss pendant que l'autre est là. Ce qui est pas rien. Ce qui veut dire que les deux peuvent se mettre à tabasser lui. Il va faire Maca Jam sur elle, mais on s'en bat les steaks, qu'elle soit silencieuse. Le mur blanc, ça fait chier par contre. Ça veut dire que du coup là, notre stratégie c'est juste Zio. Elle a des goûts discutables en matière de prince charmant. Écoute, personne ne juge. Agi sur le protag, très bien. Je sens venir une saloperie là. Mais là l'avantage c'est que maintenant le protagoniste il peut tenir tout seul. Hein. Par contre j'aime pas le fait que la boss fasse rien. Ok. Oh! Depuis quand il fait ça lui? Yosuke qui a plus de PV qui va juste partir au sacrifice là. Merde, je serais con. C'est pas grave. Normalement là il devrait fuir là. Il va se relever et fuir. Voilà. Il a pas claqué son soin, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant compétence Buffu. Commandant de talent, succès déverrouillé. Je déverrouille des succès à force de bourrer le boss. Objet, pierre de vie. Non, c'est pas pour toi, t'es malade ou quoi? T'es pris pour le protagoniste ou quoi? Compétence Buffu, c'est ton dernier. Après ça, tu deviens expandable comme nous tous. Tout cela pour suivre le protagoniste. Ok. Agi, ce protag, très bien. Compétence Buffu. Voilà. Bah oui, objet, hein, une pierre de vie, mais pas pour toi, encore une fois. Hein. Ça doit être dur quand même hein, de pas être protagoniste dans un Persona. Ok, voix de la terreur, c'est parti. Ça recommence. C'est pas grave, pauvre Yosuke. Bah écoute, oui, mais en même temps, bon. Il a pas le bon élément, quoi, donc. Mur blanc, ça saoule par contre. Ça veut dire que là, je suis obligé de tataner comme ça. Yosuke qui peut attaquer au travers de la peur. Bravo, bravo Yosuke. On se souviendra de toi, hein. Donc là, faut faire objet. De toute façon, elle est encore résistante à la glace. Encore une fois, Yukiko qui veut terrifier Yosuke. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle focus vraiment lui sur la terreur. C'est très bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est celui qui a la plus grosse attaque physique du jeu, enfin de notre groupe. On est d'accord que là, elle est encore résistante à la glace. Ouais, chier. Enfin, ça saoule plutôt, je veux dire. Parce que chier, bon. Elle a plus que 16 HP. Essence à la glace, voix de la terreur. Donc là, ça repart sur Yosuke. C'est pas grave, on peut faire compétence, Buffu. Éluniquer sa race. Voilà. Opportunité, let's go. Ah, par contre, Yosuke s'est pas mêlé au bousin. Ouais, bah oui, il avait peur. Ouais. 69 du coup, la peur affecte Yosuke qui va rien faire.
Sérieux, incinération là? Et bah nice. Et bah adieu. Fin du fight. Fin du fight. Oh! Oh la luck! Attends. Ok. Par contre, en vrai, l'incinération surprise, bon. Avec Analysis, tu vois pas s'il y a toujours la résistance. Ah, c'est une bonne question. J'ai pas vérifié. Là, je crois qu'elle l'a plus, là, donc... Je sais pas si ça montre les résistances ou pas. Ah bah, ça avait pas l'air, non. Yosuke is scared, oui. Rondo terrifiant, paf sur Yosuke. Paf Yosuke, compétence Buffu. Paf. Putain, faut vraiment que j'arrête de faire de la merde comme ça. Perle de renaissance sur Yosuke, c'est parti. Mais non, il est jamais d'être bien longtemps. Par contre, le Haki là, ça saoule ça. Alors, compétence Buffu, c'est parti, on va lui latter sa gueule là. Fin du boss fight là. Ta sœur, voilà, crève bien là. Vas-y. Oh! C'était bien chiant! Ah, oh, c'est pas fini! Merci. Non! 10 000 yens, ça va! Santé, énergie, déferle après le combat, nice! Oh! Yukiko, tu es blessée? Non, je ne... On comprend, tu n'es pas la seule, Yukiko. On a tous quelque chose qu'on ne veut pas montrer aux autres ou qu'on refuse d'admettre. Yukiko, je suis vraiment désolée. J'étais tellement égocentrique que j'ai jamais compris ce que tu endurais. Je suis ton amie et pourtant, pardonne-moi. Chie. J'ai toujours été jalouse de toi, tu sais. Tu avais tout ce qui me faisait défaut. La jalousie était comme un mur et moi, j'étais si seule. Je voulais que tu aies besoin de moi, mais c'est moi qui avais besoin de toi. Je ne fais jamais rien de bien seule. J'ai causé tellement d'ennuis à Yosuke et aux autres. Si tu n'es pas à mes côtés, je ne saurais quoi faire. Chie, je n'ai jamais vu ce que tu étais vraiment. Moi non plus. J'étais trop occupée à chercher une issue facile. Je veux m'enfuir. Je veux qu'on vienne me sauver. Tu as raison, ces sentiments font partie de moi aussi. Je comprends maintenant, tu es moi. Elle a dit la phrase! La force du cœur nécessaire à l'introspection s'est manifestée. C'est pas métanoïa le mot de ce jeu, c'est introspection. Le col Valkyrie qui régale, clairement, ouais. Yukiko a accepté son autre soi. Elle a obtenu le masque servant à surmonter les épreuves de la vie. La persona Konoha Sakuya. Yukiko! Ça va? Oui, je suis juste un peu fatiguée. Vous êtes tous venus me sauver? Évidemment! Merci. C'est normal. Si tu savais comme je suis heureuse que tu ailles bien. Pas mieux. Alors, qui t'a jeté ici? Hein? Qui es-tu? Qui ou quoi? Je suis Teddy. Et donc, qui t'a jeté ici? Je l'ignore. Je crois que quelqu'un m'a appelé par mon nom. Mais mes souvenirs sont confus. Je ne sais plus qui c'était, navré. Teddy. Pas la queue d'un indice. Pas sûr. Maintenant, on est certain que quelqu'un a jeté Yukiko ici. Alors, ce n'était vraiment pas vous? Bien sûr que non. Tu nous soupçonnais encore? Non, absolument pas. Quel menteur ce sac à miel! Allez, rentrons vite à la maison. Yukiko a l'air épuisée. Merci encore, Teddy. Attendez, vous me laissez ici? Te laisser? De quoi tu parles? T'habites ici, toi? Oui, mais... Je suis navré, Teddy. Je te promets que je reviendrai. Sois gentil et attends-nous.
Ce qui commence à y avoir foule ici. Allons ailleurs, toi et moi. Allons, pour me faire plaisir. Oh, le bon petit pédobert, là. Glauque de chez Glauque, c'est bon. Tu restes là pour le restant de ta vie. Ouais, ouais. Le pédobert instantané. Bon, c'est elle, la personne de l'amoureux. Hein. L'arcane de l'amoureux, pardon. Yukiko, ça ira. Tu n'es pas blessée? Non, juste un peu fatiguée. Comment es-tu entrée? T'as des souvenirs? T'as vu le tueur? T'as des souvenirs? Je suis désolée, mais je me souviens de rien. Pas grave, tu es sauvée, c'est l'essentiel. Mais il fait aucun doute que Yukiko a... qu'elle a été attaquée de la même façon que les deux victimes. Et je pense que ce qu'on a vu sur la chaîne de minuit, ce n'était pas elle, mais son ombre. Peut-être que les pensées refoulées de Yukiko ont pris forme dans la télé? Teddy nous a sorti quelque chose dans le genre lui aussi. Ça sert à rien, on tourne en rond. Quel genre d'individu ferait ça? Réfléchissons, arrêtons pour aujourd'hui. Réfléchissons. De prendre un moment pour réfléchir à la situation. Attends, on peut pas en reparler une autre fois? Yukiko a vraiment besoin de repos, je vais la ramener chez elle. Ah oui, c'est vrai, désolé. Elle doit être vannée. On leur parlera quand elle sera retapée. Retapée? Ça se dit pour une personne, retapée? Vous avez réussi à sauver Yukiko, à ramener pardon, Yukiko-san et sauver. Hélas, le mystère ne fait que s'épaissir. Pour l'instant, attendez que Yukiko récupère. Eh bah très bien. Bon là on l'a vraiment sauvé jour 1 quoi. Donc je pense qu'on a maintenant 8 jours de réembranlage quoi. Pour bien faire hein. Le voilà. Bonsoir. Salut. On a quitté le boulot en même temps alors je le conduis chez lui. Je me suis dit qu'on passerait rapidement. Ravi de te rencontrer. Je suis Adachi et aussi le méchant qui référence Akechi. Le type que ton papa fait trimer comme un forçat depuis le printemps. Je veux te faire bosser plus dur encore, si tu veux. Elle est bien bonne, patron. Ah, au fait, tu es ami avec Yukiko Amagi, non? Elle a été retrouvée saine et chauve. Saine et sauve, pardon, putain. C'est moi, sans et chauve. Avertis tes amis du lycée. Quel soulagement, on est déjà au courant, on vous doit beaucoup. Ah, merci. Quelqu'un qui me complimente pour un travail bien fait, je ne sais pas quoi dire. Mais ça signifie pas que l'affaire est close. On interrogeait justement Mademoiselle Amagi. Oh, excuse-moi. Qui déclare ne se souvenir de rien. En plus, on ne sait pas où elle était pendant qu'elle a disparu, comme si elle s'était volatilisée. Moi je vous dis, c'est louche. Comme si ça cachait quelque chose. Aïe! Arrête de jacasser, bécasse. Désolé, il a vraiment tatané quelqu'un devant ses gosses quoi. Fais pas attention à lui, il se fait des films là. J'ai déjà oublié, Yukiko n'est pas impliquée. Vous doutez de Yukiko? Ne t'inquiète pas, la police n'est pas un troupeau de moutons qui gobe tout ce qu'ils entendent. Il part tout seul, pas la peine de le prendre au sérieux. J'ai faim! Eh, mais oui, c'est pour ton break, moi aussi j'ai une faim de loup. Un loup qui s'adoucit un peu quand un aqua est là, hein patron? Tu te tais et tu t'assieds. Non, lave-toi d'abord les mains. Moi aussi en fait. Pour une fois, le dîner s'annonce animé. Très bien. Devant ses gosses, c'est une belle mandale en plus. Ah bah, c'est vraiment une bonne grosse mandale. Hein. Voulez-vous sauvegarder la progression actuelle? Bien sûr. Évidemment. Dojima a un jean ultra slim? Ah ouais, j'ai pas vu. Envoie des données. Comment ça, envoie des données? Ah. Mardi. Persona 3, regardez les viewers dans le fond là. Dans le fond, à côté de la meuf, il y a quoi? Il y a Persona 3. Vous savez quoi? Atlus, ça fait des années qu'ils nous le tease, Persona 3 Reloaded. Ça fait des années. Vous savez, l'autre jour, je regardais le truc et j'étais en mode, le calendrier, j'étais en mode, ah c'est rigolo, son calendrier c'est un calendrier Persona 3. Mais en fait, c'était un indice que les devs nous avaient laissé pour nous dire qu'ils allaient sortir Persona 3 Reloaded. Vous vous rendez compte ou pas? Tout est lié. On sait, il veut pas, on retourne faire le boss. Oh putain. Bonjour. C'est quelque peu soudain, mais je m'appelle Margaret. Nous nous sommes rencontrés dans la chambre de velours l'autre jour. Il y a un point essentiel que j'ai omis de mentionner. J'ai donc préféré prendre contact au plus vite. Les relations établies à travers les liens sociaux sont les vecteurs primordiaux pour renforcer tes personnes. Le temps a beau être compté, ce n'est pas en passant à combattre que tu échangeras ta soif, que tu étancheras la soif en ton cœur. Calme-toi, Leisten. Veille à ne pas aller trop vite. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Tâche de ne pas l'oublier. Sur ce, si tu veux bien m'excuser.
Ah oui, oui, patience et longueur de temps font plus que force ni courage, mais en même temps, j'ai bien fait de la poutrer jour 1, cette bosse. Prenez en compte le conseil de Margaret. Réfléchissez bien à la façon dont vous remplirez vos journées. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu le truc qui manque dans ce persona, l'icône de chargement. C'est pas take your time, c'est une télé, quoi. Salut! Ça va? T'es en entraînement ce matin? Vous entendez l'échange entre les deux lycéens. Tu sais qu'on peut s'inscrire au club sportif à partir d'aujourd'hui? Bah, je me suis dit que si je courais un peu dans le coin, ça ferait une bonne impression. Mais comment les gens font savoir dans quel club tu fais partie? Ah ouais, c'est pas faux. C'est un lycéen, lui, là? En jogging, c'est un lycéen? Il a redoublé combien de fois? C'est bien toi, ça. J'espère qu'il y aura des nouveaux dans notre club, ça motive tout le monde. N'allez pas essayer de recruter du monde? Je sais pas trop, mais tout le monde veut qu'on ait une fille comme manager. Tiens, on l'a qu'à passer au sanctuaire du quartier commerçant en rentrant. Autant prier d'aller voir des nouveaux. On met ça aux mains de Dieu, maintenant. Bon, d'accord. Les cheveux mi-2000. Dis, tu as entendu la rumeur sur le truc qui vit dans le sanctuaire? Je me demande si c'est vrai. Préfère la Venza. C'est qui la Venza? Ah, c'est celle de Persona 5, c'est ça, c'est celle qu'on voit à la fin de Persona 5. C'est la fusion entre Pauline et Julie. Pauline et Juliette. Les cours sont finis pour aujourd'hui, veuillez patienter pendant la conférence de la convalescence de Yukiko. Vous rappelez que vous pouvez rejoindre un club sportif, vous devriez vous renseigner en salle des professeurs. Ouais, ouais, mais ça on connaît ça. Ok. Bon, on va aller chercher la salle des profs. Hein. Donc là, ça y est, on a terminé le palace jour 1 alors qu'on n'a même pas encore vu la pluie. Ça veut dire que là, le jeu va nous filer... Mu quoi, mais dodo aussi. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit à toi, Ruby. Ça veut dire que là, on va passer 15 jours à, on va passer 15 jours à rien branler, c'est ça? Classe 3-3. Par les meurtres. Est-ce qu'il y a l'autre malade, là? Est-ce qu'il nous veut encore un truc ou pas, lui? Ouais, ouais, bah oui, ça ne s'invente pas comme ça les énigmes, hein. On a bien vu tes énigmes. Hein. C'est la régie, vous n'avez rien annoncé. Labo informatique, non. Salle audio. Labo informatique, c'est fermé. Ah, c'est le toit. Putain, c'est pas le toit. Il y avait quelqu'un, non? Je savais pas qu'elle fusionnait à un moment. Bah t'as dû oublier, mais ouais, c'est dans la fin du scénario, quoi. Ah, elle me donne les prévisions, elle, c'est gentil. Il fait moche, mais il n'y a pas de pluie, quoi. Je ne me trompe jamais. D'accord. Bleu, enfant et artichaut. Quel mot pour compléter cette suite logique? Salle de calligraphie. Ah merde, c'est pas la même, là. Salle de calligraphie... Salle du conseil des élèves, bibliothèque. Ah, elle est là, la bibli. Alors, la bibli, c'est au deuxième étage, du coup, apparemment. Bibli deuxième, je note. J'allais crocher en partant en vacances, j'ai jamais fini. Oh, putain, t'as tort, c'était une vraie dinguerie, là, à la fin de Persona, la fin de Persona 5. Conseil d'orientation, salle des profs. C'est la salle des professeurs, vous devez être renseigné sur les clubs. Rentrez se renseigner sur les clubs. Quoi? Tu veux t'inscrire dans un club? Je sais bien ce que tu cherches. Tu veux juste lever les minettes, ça, hein? Quoi? À vous! Non mais lui, il a un problème. Alors écoute, les clubs sont là pour... Vous ignorez pourquoi, mais vous vous faites sermonner. Alors, tu veux toujours t'inscrire dans un club? Info sur les clubs sportifs. Alors comme ça, on a envie de transpirer. Tu peux rejoindre le club de football ou celui de basket. Sors de la salle des profs et apprends à gauche. Et prends à gauche jusqu'au bout du couloir. C'est là que se trouvent les clubs sportifs. Au fait, tu peux y aller mardi, jeudi et samedi, sauf les jours de pluie, compris? Alors, on a fini? Et les clubs culturels? Pas de bol, les clubs culturels n'ouvrent leur inscription qu'après le 25 avril. C'est la leçon du jour. Rencontrer les filles, c'est un parcours du combattant. Alors, on a fini... Pourquoi il pète un plomb, lui? Pourquoi il pète les couilles? Rejoindre plusieurs clubs. Deux clubs culturels en même temps? Tu comptes profiter à fond de ce qu'offre le système éducatif? Les élèves ne peuvent pas être dans deux clubs sportifs ou culturels en même temps, mais un de chaque, oui, pigé. Ok. Eh ben, allons voir les clubs sportifs, alors.
On a quoi? On a foot et basket, c'est ça? Il est malade, ce prof. Non, non, mais oui, il est taré, hein. Le prof a un vrai problème. Le prof a un vrai, vrai gros problème. Atelier de couture. Salle des arts ménagers. Attends, quoi? Des arts ménagers? C'est quoi? C'est quoi les arts ménagers? J'ai lu ça, tu sais, j'ai tombé au doigt. Ouais, normal. Quoi? Salle de réunion. Ok, 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 ok. Heartbreak. Cuisine et tout. On appelle ça art ménager? Ah ouais? Genre. Attends, par contre, j'ai oublié où étaient les clubs du coup. J'ai oublié où étaient les clubs. Le prof a dit et j'ai pas écouté. Tellement chiant ce prof! Vous pouvez accéder au... Ah voilà, c'est ça. En y repensant, vous voulez rappeler les paroles d'Igor. Quand tu lis d'amitié avec tes pères, tes liens sociaux se développent peu à peu, c'est le pouvoir des liens... Basket ou foot, les joueurs? On veut un basketteur plutôt qu'un footeux, non? Visitez avant. Gymnase du lycée Yasogami. Pour regarder l'équipe de basketball. Joli tir! Bon, passons à l'exercice de base. Basket direct, basket. Terrain du lycée Yasogami. Regardez les clips de football. Joli tir! Bon, on rentre tout le monde, c'est l'heure des sprints. Vous préférez quel lien social, les viewers? Le mec avec un sparadrap sur le nez ou le mec avec une coupe de petit con là? On reste sur basket? J'ai l'impression qu'on reste sur basket. Sinon, ils ont tous les deux des têtes à claque, on est d'accord? Pour la décision, je voudrais foot. Mais bon, en vrai, Osef, allez, basket. On reste sur basket. Écoutez-moi, vous avez un nouveau coéquipier. Vous connaissez tous Pokéchou, pas vrai? Comme il vient de la ville, je suis sûr qu'il va vite montrer de quoi il est capable. On va faire une super saison garantie. Je pensais même le nommer capitaine. Ça me va, c'est pénible de voter de toute façon. Bon, et si je te présentais à l'équipe? Salut, ravi de vous rencontrer. C'est moi votre capitaine. Bon, au moins, ça c'est fait. L'équipe, elle est ravie, sauf lui. Je vous laisse vous occuper du reste. Joueur l'équipe de foot. Pocket, contente-toi d'observer cette fois, d'accord? Bon, je file. Go Sasuke plutôt que Naruto. L'équipe s'entraîne à un moment avant de partir. Et oui, il va mal le prendre. Salut. Alors, qu'est-ce que tu penses du club? Moi, c'est Ku Ichijo. Je suis en deuxième année aussi, enchanté. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'intéresse à l'équipe. Ku, t'as fini? Ah bah, les deux sont là. Et deux confidents pour le prix d'un, les viewers. Ku, t'as fini? Ah, c'est le nouveau. Oui, c'est bien lui. Dingue, non? Ah, c'est cool. Daisuke Nagase, enchanté. Équipe de foot, deuxième année. Ku et moi, on se connaît depuis longtemps. Ouais, trop longtemps. J'en ai marre de voir ta tête. Alors tout le monde est parti plus tôt comme d'habitude. C'est ça. Je voulais qu'on travaille les rebonds mais c'est trop fatigant pour eux. Du coup on a juste fait quelques tirs. Mais je devrais pas me plaindre devant Pocket alors qu'il vient d'arriver. Beaucoup de membres ne viennent jamais à l'entraînement. Mais c'est sympa le basket. Tu y as déjà joué? Tout le temps avant, un peu, non jamais. Tout le temps avant. Sérieux? Faut que tu me montres ça. Vous avez rencontré Ku Ichijo de l'équipe de basket et Daisuke Nagase de l'équipe de football. Vous sentez un lien ténus formé entre vous trois. Deux d'un coup? I art thou, and thou art I. You established new bound. It nears you to trueness. Comment on dit vérité? Truth to the truth. Vous avez établi un lien social avec les athlètes amicaux, la force. Ah oui, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un problème avec ça. Les fusions personnelles alignées avec la force peuvent rapporter un bonus XP, très bien. Au fait, tu sais pourquoi on s'entraîne? On se retrouve les mardis, jeudis et samedis. Pardon, quand on s'entraîne? C'est un sport facile, mais en faisant des efforts, tu peux prendre du muscle.
Oh, on ne s'entraîne pas les jours de pluie non plus. Parce que les autres clubs utilisent le gymnase. Parfois, ça craint d'être dans une petite équipe. Et bien sûr, on relâche la semaine avant les examens. C'est encore à toi de polir le ballon. Ouais. Pendant qu'ils vont en soirée, je reste ici et j'ai les boules. Les balles. J'adore les balles. Pff, moi aussi, je veux faire la fête. Ah, je vais t'aider. On finira pilo et on s'arrache. Les aider, être égoïste et partir. Allez, les aider, c'est bon, ça va me prendre la soirée, là. Hein. Tu veux? C'est vraiment sympa. Je crois que je vais pleurer. Coup, il fout de joie. On vous l'aider avant d'entrer. To denounce the devils, the evils and truth and love. Bienvenue à la maison. Merci. Dojima ne semble pas encore rentré. Voulez-vous sortir en cachette en ville ce soir? Yes. Lorsque Dojima n'est pas à la maison, vous pouvez sortir en cachette le soir. Cependant, vous serez trop fatigué pour sortir si vous êtes allé dans le monde de la télévision. Ok, donc Dojime, c'est de lui qu'il faut être confident pour avoir un bol à moitié terminé de ramen instantané. Oh, l'odeur du frigo. L'odeur du frigo. Alors qu'on a la Team Rocket, Gerderé et Layston qui nous font la Team Rocket. L'odeur du frigo, là. Le ramen entamé. La vie de délinquant commence. Yes. C'est parti. C'est parti. Sanctuaire. Le sanctuaire est plongé dans les ténèbres. L'atmosphère est funeste. Vous sentez les frissons parcourir votre échine. Vous avez l'impression que votre courage doit être au moins de niveau fiable pour entrer ici. Ah ! Bande de oui, on les a perdus. C'est parfait. Moi, ça me va, écoutez. Hein. Si c'est la Team Rocket, ça me va. Hein. Restaurant chinois, Aya. Aya. Aya, 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 aya. Oh, le vieux. Bonjour, le vieux. Ah, il y a une quête ici. Mais c'est Yusuke. Que fais-tu dehors si tard, petit? Prends garde, il y a des fantômes par ici. Ok. Hey, mais c'est Pocket, qu'est-ce que tu fais là au beau milieu de la nuit? J'ai fini de travailler en avant, je me balade un peu. Tu t'ennuies, tu veux qu'on discute un peu? Passez la soirée au quartier commerçant en compagnie de vos liens sociaux pour tenter de vous rapprocher d'eux. Mais n'oubliez pas que votre lien social ne peut passer au rang suivant la nuit, car votre temps est limité. Qu'un certain nombre de jours, il n'a pas rapproché de personne. Rapprochez-vous des personnes dont vous voulez développer le lien social la nuit et passez au rang suivant en journée. Oh non, c'est pas vrai. C'est quoi cette boucle de gameplay horrible, hein? On est obligé de faire les deux ou on peut juste se rapprocher tout le temps? Yusuke semble s'ennuyer. Il serait peut-être heureux que vous lui parliez. Passez la soirée avec Yusuke. Annulé. Ah, t'es occupé? Désolé, on se parlera une prochaine fois. Attendez. On va juste vérifier, d'accord? Oh, le chien! Le chien creuse dans la terre avec détermination qui force le respect. Le chien! Chien. Mais elle sert à rien, la berge de la rivière. Ah, inspecter. C'est percevable, on des poissons sur la surface de l'eau. Si vous êtes une canne à pêche, vous pouvez pêcher ici. D'accord, donc j'ai le droit de rien faire, quoi. Je suis pas courageux, je peux... Très bien. Et bah, quartier commerçant, alors. C'est parti. On va aller voir Yusuke. De toute façon, il y a que ça à foutre. On va aller voir Yusuke. C'est quoi, ça? Bar Shiroku. Mais elles ont toutes la même vendeuse, elles ont toutes la même tronche, les vendeuses. Ah non, c'est la vieille. Bienvenue. Je transforme ma boutique en boîte de nuit après la fermeture. Est-ce que je t'ai déjà croisé deux jours? Enfin, ça n'a pas d'importance. C'est une oasis nocturne où les adultes peuvent s'échapper de leur quotidien et se réunir au moment de la paix. Pour un moment de paix, pardon. Je suis un papillon de nuit paré de... Papillon de lumière, paré de pierres précieuses, attiré par l'éclat de cette oasis. Tout ce que tu vois... Et entend ici n'est qu'un rêve, il est interdit d'évoquer en plein jour ce qui se passe de nuit. Tu comprendras que cet endroit n'est pas fait pour un jeu de ton âge, rentre chez toi maintenant. Attends une minute, qu'est-ce que c'est? Je vois que tu apportes de bien jolies choses, des superbes pierres étincelantes, bien sûr, tu me laisses échanger? Échange d'objets, ah oui. Et alors quoi? PRC?
Attends, quoi? Ah, on peut acheter des objets avec les pierres précieuses. Fantastique. Patin en ligne, mais qui peut attaquer avec ça? Personne ne peut attaquer pour l'instant. On n'a pas la personne qui se bat avec des chaussures, donc on va quitter pour l'instant. Ça va être... on est d'accord que ça va être Yukiko qui se battre avec des chaussures en dansant, là? À faire des pas de danse pour se battre. Ah mais non, c'est Chie! Je suis trop con, c'est Chie qui se bat avec ses pieds, qui fout des tatanes. Équipé, là? Bah oui, voilà, chaussures en cuir. 38! Ça veut dire qu'elle peut taper deux fois plus fort avec ça? J'y vais, attends, deux secondes. Deux secondes, si Chie peut taper deux fois plus fort avec des lapis lazuli, j'y vais. On s'en fout, ça va être outdated d'ici deux minutes, mais... Patin en ligne, là, vas-y, oui. Elle peut littéralement taper deux fois plus fort. Chie qui devient le DPS de l'équipe. Bah surtout, elle va mettre des coups de patin, quoi. Elle va mettre des coups de roller. Et ça, c'est pas rien, ça. Bon, donc on a rien à foutre, donc vas-y, on y va. Voilà, ça fait plaisir. Yosuke a l'air heureux. Et du coup, j'ai quoi? J'ai un petit dialogue? Ah, voilà. T'as la guine, mon pauvre vieux. À peine arrivé dans cette affaire de meurtre. À peine arrivé, pardon, que cette affaire de meurtre fait la une. C'est pas le genre de choses qu'on voit ici d'habitude. D'ailleurs, il se passe jamais rien, normalement. Préviens-moi si jamais tu te morfonds dans ton coin. Je traînerai avec toi. Je traînerai avec toi avec plaisir si t'arrives à me supporter. Merci. Je vais débrouiller seul, tu vas où pour t'amuser? Alors, qu'est-ce qu'on répond là? Préviens-moi si jamais tu te morfonds dans ton coin, je traîne avec toi pour le plaisir si t'arrives à me supporter. C'est l'un des deux, c'est merci ou tu vas où pour t'amuser, tu vois? Merci. Pas de soucis, je suis un citadin comme toi, je sais ce que c'est. Yosuke sourit joyeusement. T'as emporté toutes tes affaires avec toi en déménagement? Moi, quand j'ai débarqué, j'avais tellement la flemme de déballer les cartons que j'en utilisais un comme bureau. Vous avez papoté avec Yosuke pendant toute la soirée, voilà. Vous sentez que votre lien avec lui s'est renforcé. Vous sentez que votre lien avec lui pourrait bientôt s'approfondir. Yes. La vache, ça fait combien de temps qu'on cause? On devrait rentrer. Ah, au fait, tiens, prends ça, il paraît que c'est pas mal. Yosuke vous a remis un bonbon au caramel. Allez, à plus. Tiens, un bonbon. Ok. Yosuke nous a donné un bonbon. Merci, Yosuke. Ah! Pardon. Ah, t'as faim, tu te sens seul? Évidemment, tout le monde se sent seul. Mais il parle à son chat. Morning. Salut! T'as vu ça à l'instant? Trop mignon, ce chat. L'autre jour, on lui a filé à manger, Yukiko et moi, mais il m'apprécie pas. Enfin bon, je préfère les chiens de toute façon. Au fait, j'ai eu un texto de Yukiko. Elle dit qu'elle se rétablit doucement. Elle n'a pas l'air d'avoir de séquelles, donc tant mieux. Ça me rassure. Elle va revenir en cours? Ça me rassure. On n'a plus qu'à attendre qu'elle aille mieux. En attendant, mettons le reste de côté. Très bien. Comment est-ce que j'augmente mon courage, vous pensez, les viewers, là? Ah! Hey, quoi de neuf? T'as un truc prévu? Si t'as le temps après le lycée, on peut aller manger un morceau ensemble. Donc peut-être passer un peu de temps avec Yosuke après les cours. Subtil! Très bien, que tout le monde s'assoie, le cours va bientôt commencer. Je suis Monsieur Osoy, votre professeur d'écriture contemporaine, on va bien s'amuser. C'est peut-être un sujet, mais pourquoi ces Chine a postulé pour des facs en dehors d'Inaba? Ça ne sert à rien de rivaliser avec les gens de la ville, la campagne, etc. Puisque c'est notre toute première leçon, j'aimerais vous évaluer votre niveau actuel. Combien de volumes contiennent les chroniques de l'oiseau ressort de Murakami? Anamura, ça tombe sur toi, tu ne donnes pas l'impression d'être un lecteur vorace. Hey, je lis! Enfin, des bouquins, pas des bouquins, mais... Pocket, tire-moi de ce pétrin, vieux! Est-ce que vous avez retenu la question, là? Est-ce que vous avez retenu la question? Qu'est-ce que cette question de merde, quoi? Colibri. 3. Je vous donne la réponse que vous pensez bonne.
Très bien, Namura. Tu es un véritable trompe-l'œil, ou alors c'est un sacré coup de chance. Les Chroniques de l'Oiseau à ressort ont été publiées en 3 volumes, c'est la 8e des 12 œuvres. Son dernier ouvrage, 1Q84, est sorti en 2009. Le premier tirage était en rupture de stock dès le premier jour. C'est sans parler de ses nouvelles et autres essais pour lesquels je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Oh, merci, je t'en dois une pocket. Yosuke a de l'estime pour vous. Nice, vous sentez que vous rapprochez de Yosuke. Votre éloquence a augmenté. Yes. Mais bien sûr, les chroniques, j'ai lu les coliques. Patienter pendant la convalescence de Yukiko. Ouais, j'ai compris. Ouais. Titati. La littérature japonaise moderne, hein, est compliquée quand même. Hein. Alors, on peut aller voir Yosuke, mais on peut aussi peut-être aller voir Chie, peut-être. Est-ce qu'on peut trouver Chie quelque part, vous pensez? Ah merde, qu'est-ce qui se passe si je sors du lycée là? Ça passe directement au soir ou pas? Non, on est d'accord, c'est bien ça. Alors, quartier commerçant? Ah, c'est Heartbreak! Oh, le corbeau, il s'est envolé, vitesse turbo quoi. Comment est-ce que j'augmente mon courage, vous pensez, les cocos? Bon, de toute façon, je pense qu'on va juste passer du temps avec... avec Kiku, là, on est d'accord? Est-ce que juste le mec des énigmes nous a remis une couche, là, ou pas? Non, not yet. Heartbeat. Heartbeat, soit l'élastique, je sais pas. Yo Pocket, t'as rien à faire, tu veux qu'on aille quelque part? Yosuke aurait allé quelque part, vous sentez que votre lien avec Yosuke va bientôt s'épanouir. Passez l'après-midi avec Yosuke. Bien sûr, voir le niveau de lien social. Ok, alors c'est parti. Yosuke a l'air heureux. Quoi? Deux de rapprochement d'un coup là? Mais c'est quoi ce merdier? Quartier commerçant, Suzai Daiyaku. Célèbres croquettes sont coriaces. Mettre des morceaux de bidoche dans les croquettes, bienvenue à la campagne. C'est quand même bon si on ne se casse pas les dents dessus. Chie dit que c'est tendre et juteux. Elle a quoi à la place des dents? C'est quoi des morceaux de bidoche? C'est de la viande juste? Vous entendez l'échange entre les deux femmes. Il travaille chez June. C'est l'uniforme du lycée Yasogami, non? Famille de sa camarade de classe, les Sato, c'est ça? Ils ont dû fermer boutique. Le quartier commerçant pourrait être amené à disparaître, et pourtant lui... Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai une sale réputation ici. Ça doit être dur, et tu te la racontes, tu m'expliques pourquoi? Ça doit être dur? Pas autant que ça. Un peu plus pour mes vieux. Moi, en fait, ça me concerne pas directement, je peux rien y faire, mais quand même. Yosuke hausse les épaules. Tout le monde me connaît bien, Inaba, que ce soit au lycée ou dans la rue. Ça ne me dérange pas, mais il faut toujours que je fasse gaffe à ce que je dis ou à ce que je fais. Yosuke sourit de bon cœur, sentez que vous le comprenez un peu mieux. Rang supérieur. Rang 2, le battleur. Eh ben, ça pète quand même vraiment moins la classe que Persona 5 quand même. Hein. Vous avez atteint le niveau 2 de lien social avec Yosuke Anamura. Votre capacité à créer des personnages du battleur s'est développée. L'évolution que ressent Yosuke est également affectée à Persona. Compétence de S-Link. Jiraiya a appris Trafury. Rien augmente en passant du temps avec une personnalité dont le lien social est déjà établi. XP bonus obtenu en fusionnant des personnages augmente avec le niveau de son arcane. De plus, développer vos liens sociaux peut faire apparaître de nouveaux. Forger un maximum de liens, augmenter leur niveau pour renforcer vos personnages. Mais sinon, elles sont bonnes ces croquettes, hein? Je vais en prendre une autre, tu me suis? Pour rentrer chez vous après vous êtes gavé de croquettes avec Yosuke. C'est le retour de mon chat qui se pose dans mon écran. Ah, t'as dû lui manquer en vrai. Bienvenue à la maison. Ok. L'autre est toujours pas là, c'est ça? Je suis allé à la librairie, mais il y avait plein de livres bizarres. Je n'ai pas trouvé le manga que j'aime bien. Ah, plein de livres bizarres, c'est-à-dire? Tu as vu des magazines de fesses?
Est-ce qu'on va trouver d'autres personnes au quartier commerçant? Je suis trop con de pas être passé à la librairie. Il y a une affiche en sol, l'homme adorable, 1200 yens, le célèbre saga de la virilité est en rayon. Ah bah voilà! Méthodologie d'études, 2800 yens, prenez de l'avance en classe. Pêche pour débutants, à vous de pêcher, c'est ce qui est écrit, vous n'avez acheté aucun livre. Putain, faut que j'achète des bouquins. Oh! Chillé! Tiens, mais qu'est-ce que tu fiches dehors, Pocket? Quoi, moi? J'avais un petit creux, alors je suis passé chez Aya. Dis, si t'as le temps, on peut discuter. Chie semble s'ennuyer, elle semblerait plus heureuse que si vous lui parliez. Quand vous possédez Slime, la personne alignée avec le chariot, vous sentez une connexion possible. Passez la soirée avec Chie. Oui. Voilà ce que je voulais entendre. Chie a l'air heureuse. Ok. Ah oui, il faut avoir des personas du bon type avant de les emmener en rendez-vous. Putain, ça c'est un truc que j'avais oublié. Dans Persona 5, non, je le faisais jamais. De pas trop connaître le coin, sachant que tu viens juste d'arriver d'un autre côté, y a pas grand-chose à savoir. Ce que je veux dire, c'est qu'on a... des arbres partout? Quoi, à la librairie, ils vendent pas les chroniques de l'Ozorosor en 3 volumes de Murakami? Non, apparemment. Hein. Mais les gens sont au poil. Si tu perds ton portefeuille, tu vas certainement le retrouver. Et si jamais t'es dans la Wii, tu peux compter sur moi. Tu m'en joues d'habitude, on peut faire quoi de nuit? T'as quelqu'un en vue? On peut faire quoi la nuit? T'as quelqu'un en vue, ils vont me dire que j'aurai jamais le courage de dire ça. On peut faire quoi la nuit? Y'a rien à faire la nuit par ici. Mais plein de gens bossent de nuit à temps partiel comme Yusuke. J'aime bien promener un peu partout, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Chie se met à rire. La plupart des restaurants ferment tout à part Aya. Je suis tout le temps attiré par l'odeur de leur cuisine. Vous parlez de tout et de rien avec Chie, vous sentez que votre lien avec elle s'est renforcé. Vous sentez que votre lien avec elle pourrait bientôt s'approfondir. Eh ben j'étais tellement absorbé par la conversation que je n'ai pas vu le temps passer. Au fait, je voulais te donner ça. Un chocolat Campo. Eh bien merci. Je le recommande à tout le monde en ce moment, tu m'en dirais des nouvelles. Bon, je vais y aller. Ils me donnent tous des bonbons. Vous raccompagnez Jay jusque chez elle et rentrez à la maison. Très bien. Pourquoi il n'y a pas de sous-titres dans la vraie vie quand quelqu'un a envie de passer du temps avec toi? Je ne sais pas. Salut Pocket. Tu sais qu'on a l'entraînement aujourd'hui, hein? T'as intérêt à venir, à plus. Je devrais peut-être participer à l'entraînement de basketball après le lycée. Ok, j'imagine. On patiente pendant la convalescence de Yukiko. Deux secondes, les potes. Je file, bonne soirée. Bonne soirée à toi, Yumu. Mais il est déjà 23h. Putain, mais le temps passe vite quand on s'amuse. Attendez, deux secondes. Je vais au quartier commerçant pour pas oublier la librairie, d'accord? Mais après, on va sauvegarder, du coup. J'avais même pas vu l'heure, putain. Voulez-vous l'acheter? Oui, bien sûr. L'homme adorable. Affiché info. Pour gagner en courage, bien sûr. Pour pêcher plus longtemps. Plus de connaissances. À lire pour gagner plus de connaissances en étudiant. Ben oui, bien sûr. Évidemment. Quand est-ce qu'on peut lire, du coup? Le soir avant d'aller au lit? Lire sur le canapé de votre chambre quand vous serez chez vous. Ah oui, voilà. Ok. On va retourner au lycée, vite fait. Bon, bordel. Merci. Ah putain. On a surtout passé 1h30 sur le boss. Non, pas tant que ça en vrai. On n'a pas passé 1h30 sur le boss. On a passé du temps, mais pas 1h30. On a passé tant de temps que ça sur le boss? Où sont les cours sur Booba Kiki? J'en ai aucune idée, mais c'est pas normal qu'on n'en ait pas. Allez, bien, mesdames, messieurs, voilà, nous sommes le 21 avril. On s'arrête là-dessus. Merci à vous d'avoir été là ce soir.